العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة قريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طيب وافاكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. Parmi les points essentiels qu'on peut développer concernant ce verset du Coran al-Karim, c'est la question de khayr wa shar, le bien et le mal. Vous allez me dire, mais c'est évident. Le bien est le bien, le mal c'est le mal, c'est évident aujourd'hui, tout le monde le sait. Même les athées, même les gens qui ne croient pas. Ce qui est étrange, à notre époque, et on le constate clairement, il n'y a plus de clarté pour trancher entre le bien et le mal. Les héros, des fois c'est des diables. Des diables carrément, et c'est des héros aimés par les enfants, par les jeunes et plus tard par la communauté et la société. Une dame, par exemple, actrice, elle peut prendre le rôle totalement sombre d'une femme injuste, d'une femme malfaisante. Mais quand même, c'est l'héros, ou héroïne, on dit en français. Et l'homme, la même chose. Et ça, ça commence avec les dessins animés, et ça continue avec les films. Faites attention à ce que je dis, peut-être vous l'avez déjà constaté, mais sensibilisez-vous sur ce point, vous allez le voir clairement. Il n'y a plus de khayrun ou achar. Et je le vois quand, des fois, je suis mes enfants, avec certaines choses qu'ils regardent, je vois qu'il n'y a plus de distinction claire entre le bien et le mal. Il n'y a plus de modèle à suivre clairement. Même les modèles qu'on propose, c'est des modèles contradictoires. Dans l'islam, dans l'école de Ahlul Bayt, le bien, c'est le bien. Tout à l'heure, je disais pour les enfants, Sayyidi wa Moulay Abu Abdullah al-Hussein, il est sorti, et là on peut développer un peu avec différents niveaux avec la jeunesse qui est présente ici. Amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Mais la question se pose, c'est quoi le ma'ruf et quel est le munkar? Aujourd'hui, il y a des choses que tu donnes des conseils et tu dis non, c'est pas bon ce que vous dites, monsieur. Vous rentrez dans la vie des autres. Ce n'est pas votre responsabilité, monsieur. Gardez ça pour vous. Aujourd'hui, tu donnes ton avis. S'il vous plaît, sensibilisez-vous sur ce point. Aujourd'hui, tu donnes, je ne sais pas, tu expliques à une personne quelque chose. Tu peux être mal vu dans la communauté, dans la société. En disant, mais pourquoi tu parles de ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est pas mauvais, ça. Aslan, الخير أصبح شر والشر أصبح خير. Et ce qui est incroyable, les hadiths d'Ahl al-Bayt alayhi wassalam, nous avons des propos de l'imam, des imams, plusieurs propos, qui disent à la fin des temps, ou avant la réapparition de l'imam al-Mahdi, ça sera exactement de telle manière qu'on pourra difficilement distinguer entre le bien et le mal.
Aujourd'hui, il y a des choses qui sont considérées positives. Si tu le fais dans la société, ils te considèrent ou naïf, ou un homme un peu enfermé, ou arriéré, on dit. Arriéré, il est un peu bizarre, ce monsieur. Ce monsieur est bizarre. Non, il n'est pas bizarre. Notre époque est bizarre. Shabab el tiftu jayidan. Réfléchissez et analysez ce que je vous dis. Je ne vous dis pas c'est parfaitement vrai ce que je dis. Moi, c'est ma réflexion. C'est ma vision. C'est ce que j'analyse quand je vois autour de moi. C'est pour ça, si tu ne serres pas la main, tu dis, ah, le pauvre. Il est un peu bizarre. Il est un peu extrémiste. Non, extrémiste, ça veut dire tu fais mal à la société. Extrémiste, ça veut dire tu ne respectes pas l'humanité. Extrémiste, ça veut dire ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, si tu dis à ta femme, s'il te plaît, j'aime pas que tu rigoles, tu fais des blagues avec des hommes. Ils disent, ah, haram, Adam Skin. Il est un peu bizarre, ce monsieur. Bizarre, hein? Ça? C'est comme si c'est un défaut. Et je donnais l'exemple, il y a quelques jours, à mes enfants, j'ai dit, regardez cette partie de dessin animé, il apprend à la personne de ne pas avoir le rire. L'homme envoie un autre homme, je vous l'ai dit, rapidement je le dis, pour celui qui n'était pas présent, pour donner des manger à sa femme. L'homme choisit un homme pour donner manger à sa femme, c'est dans le monde des animaux. Et après, l'autre qui part, il fait glisser quelques messages d'amour. Et le monsieur qui regarde, ah, dit, tout à fait naturel. Et là, je me suis rappelé que dans certaines personnes qui prennent le rôle d'éducation sociale, ils disent aux enfants, aux garçons, si quelqu'un parle avec votre, je ne sais pas, copine ou votre femme, est-ce que vous mettez à l'aise? S'il rigole, s'il montre quelque chose, est-ce que ça vous gêne? Après, il y a quelques-uns qui disent oui, ça nous gêne. Il dit non, il ne faut pas se gêner. C'est une éducation. Donc, si aujourd'hui il te conseille, demain il te dit t'es malade, t'as un problème. Pourquoi ça te gêne que quelqu'un dit à ta femme, par exemple, tu es magnifique? Si un homme parle avec ta femme de cette manière, pourquoi ça te gêne? Mais c'est rien. Si ça te gêne, t'as un problème. وَلْتَفْتُوا وَذَكَّرُوا لِأَقُولِ إِذَا هَذَا الْعَبْدِ الْفَقِيرِ. Si on est en vie et que l'imam ne vient pas, à notre époque, on va encore plus loin et plus loin et plus loin. Jusqu'à ce que tu ne pourras même pas déclarer des vertus de Ahl al-Bayt. Parce que les vertus deviennent vices et les vices deviennent vertus. La tastawi al-hasanatu wa al-sayya. Alors que non, le Coran dit c'est pas la même chose. Al-hasana c'est al-hasana et al-sayya c'est al-sayya. Qui décide c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Ahsant, merci. Vous dites Allah. Il y a des gens qui vont vous répondre non, écoutez, nous, c'est nous qu'on décide. Nous, on fait des études, on analyse, on fait des réunions, on fait des votes, on fait des expériences, et après on vous dit qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est mauvais. C'est nous qu'on décide. Il y a des gens qui vont vous dire ça. Dans ce monde actuel, que ce soit en Irak, Liban, Iran, Pakistan, l'Europe, dans le monde entier. Dès que tu laisses tomber Dieu et tu te dis « Je prends la place de Dieu » Donc, ça y est, c'est toi qui veux choisir c'est quoi la définition du mal et c'est quoi la définition de bien. L'imam al-Hussein, salamallah alayhi, il est sorti. Vous allez me dire « Mais ça, c'est à notre époque ?» Non, même à l'époque de l'imam al-Hussein. Al-Munkar Ma'ruf ou Al-Ma'ruf Munkar, ça existait aussi à l'époque de Mme Hussein. Mais ça se rappelait beaucoup plus flagrant avant la réapparition de Mme Hussein. C'est tout. Voilà, ça existait.
Les gens, ils voyaient les comportements de Yazid. Ça ne les gênait pas. Il y a beaucoup de gens qui voyaient, ils disaient, non, mais si c'est Amir al-Mu'minin, c'est pas grave. C'est pas gênant. Jusqu'à notre époque, la même chose. Il y a des musulmans qui pensent, celui qui détient le pouvoir, il est sacré. Quoi que ce soit ses actions, ça nous est égal. Ça nous est égal. Parce que lui, c'est Dieu qui a choisi lui comme guide, comme chef, donc c'est bon. C'est pour ça, d'ailleurs, si vous vous rappelez de l'histoire, Amir al-Mu'minin, lorsqu'ils sont venus, l'imam Ali al-Salam, surtout les jeunes, rappelez-vous de ce point, lorsqu'ils sont venus, les compagnons, en disant, « Oh Ali, reprends ta place, tu es le vrai calife !» Il a dit, « Vous êtes combien pour me soutenir ?» Ils ont dit, « Nous sommes !» Il a dit, « Celui qui veut être avec moi, il rase ses cheveux. » Le lendemain, il y avait combien pour personnes qui se sont rasées les cheveux? C'est un signe de contestation contre le calife de l'époque. Quelques personnes, 4, 5 personnes, combien de personnes? Tous les musulmans, ils sont partis. Nous, on ne doit pas, la samahallah, je m'adresse d'abord à moi, pour que je prenne, tirer des leçons, en fait, finalement, de Ahlul Bayt, de l'histoire de Ahlul Bayt, également à vous, frères et sœurs. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اتْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Maintenant, comment on réagit? Je pense que, là, je regarde le temps. Comment on réagit? Il y a quelqu'un qui nous fait... qui fait des gestes mauvaises ou qu'il fait des mauvaises actions à notre égard. Des fois, c'est un voisin. Je me rappelle d'une histoire très magnifique. Quelqu'un, il est venu chez le prophète, il a dit, conseille-moi, comme ça. Juste, Ya Rasulallah, conseille-moi, tout simplement. Il n'a pas demandé, je ne sais pas, longue histoire, non, conseille-moi, donne-moi des conseils. Rasulallah, il lui a dit, La Tarabab, c'est-à-dire, ne te mets pas en colère. Il a dit, conseille-moi encore. Il a dit, là, t'arrête. Je pense deux ou trois fois, il lui a dit la même chose. La personne, il est parti. Il a dit, c'est bon, le prophète m'a donné le cadeau que j'ai besoin, donc je rentre chez moi. Subhanallah, comme par hasard, il arrive, il voit les tribus de voisins, ils se sont préparés pour la guerre avec qui? Son tribu à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a telle discussion qui s'est déroulée. Bien sûr, Radib, il a pris l'épée, il a dit, allez à la guerre. Après, tout de suite, il s'est rappelé de Rasulullah. Rasulullah, il a dit, la tarba. Donc, réfléchis. Il a remis l'épée, il a dit, calmez-vous. C'est quoi l'histoire? L'autre, il a dit ça. D'accord, c'est pas grave. On lui demande de demander pardon. On règle les choses. Tout est arrêté. Et il n'y a pas eu de guerre. Chouf, conseil. La tarda. Etfa billati hiya ahsan. Réagir d'une manière positive. Moi, je pense à notre époque, dans beaucoup de choses, sans mentionner les choses, vous, c'est à vous de réfléchir quelles sont les mauvaises choses qui se passent autour de nous, que ce soit au Canada, en Amérique, en Europe, partout. Comment réagir? Des fois, il y a des gens qui t'écoutent, c'est parfait. Des fois, on n'est pas écouté. Donc, comment réagir? Parmi les solutions, je ne dis pas c'est la seule, parmi les solutions, etfa billati hiya ahsan. Ne te mets pas en colère. Réfléchis, fakir kayfa tata'amal ma'al azma. Fakir kayfa tata'amal ma'al musiba. Regarde comment tu peux réagir avec le problème. Parce que justement, il y a des gens qui s'amusent lorsque tu te mets en colère. Bidhaku alek. Bi'aïdou. Ils font la fête quand tu te mets en colère et tu commences à crier comme ça. La colère, des fois, c'est bien. Attention. Des fois, c'est obligatoire. Je vous donne un exemple très simple, rapide. Au métro de Paris, j'étais en train de... Tramway, désolé.
j'étais en train de me déplacer, un homme devant nos yeux, il a frappé une femme pour prendre le portable. Et je ne me rappelle pas parfaitement comment s'est déroulé les choses, mais la femme, je me rappelle, elle est tombée par terre. Et c'est un autre homme qui était avec nous, partisan de Ahl al-Bayt, c'était un Algérien. Allah wafro, de ce jour, je ne l'ai plus vu. Mais c'était un homme. Un homme, yani bima'na costaud également. Moi, je n'ai même pas réagi parce que je n'ai même pas eu le temps de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Lui, il avait l'habitude apparemment. Il savait qu'est-ce qui se passe. Il a couru, il a pris l'homme, il a pris le portable, il l'a frappé et il a redonné le portable. Il a terminé l'histoire en quelques secondes. C'était très simple pour lui. Donc, comment il a bougé aussi rapidement? Sans colère, c'est impossible. Hassan, la colère donne cette capacité de bouger de cette manière rapide. C'est pour ça que c'est parmi les bienfaits d'Allah, la colère. Lorsqu'il s'est mal utilisé, c'est mauvais. Et ça, fi al akhlaq tafsiliyan, j'ai pas le temps dans Muharram de vous parler, mais vous pouvez inchallah faire des recherches sur ce point. Ulama al akhlaq dans l'école de Ahl al-Bayt, il décrit exactement qu'est-ce que ça veut dire la colère, qu'est-ce que ça veut dire shahwa et pourquoi la colère c'est bien, etc. Et quand est-ce que c'est très mauvais. Mais fi mahalli. Des fois la colère c'est mauvais. Des fois c'est obligatoire pour défendre un opprimé. Tu vois dans ici à Montréal, au downtown par exemple, la nuit, quelqu'un marche et passe devant un enfant, il frappe. Tu te mets en colère, tu dis, hey, monsieur, arrêtez. Vous criez, oui, vous mettez en colère, c'est normal, c'est nécessaire. Mais des fois, quand tu te mets en colère, tu es rentré dans le jeu de la personne devant toi. Il veut te mettre en colère. Il veut que tu sors et tu cries. Si vous me permettez, je vous raconte une petite histoire très rapidement et je passe pour petit à petit partir vers Moussibat l'imam al-Hussein. À l'époque de Seyd al-Burujerdi, vous connaissez Seyd al-Burujerdi, la plupart ils le connaissent. Il était à Qom. Un homme, il a prétendu d'être prophète. Certains savants, ils sont venus, ils ont dit, il faut dire c'est un fou, il faut écrire une lettre et, comment dire, distribuer partout, à Qom. Comme quoi, c'est un homme mentalement, alors que ce n'était pas un homme mentalement malade, c'était juste un menteur, tout simplement. Et il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Seyd al-Burujerdi, il a écouté tout le monde. Après, il y avait Ayatollah Bajet. À l'époque, il était encore jeune, peut-être 40 ans. Il a dit, Cheikh Mohammed Taqi, c'est quoi votre avis? Cheikh Bajet a dit, moi je pense, nous, on ne réagit même pas. On le laisse. Il va être disparu dans l'histoire. Personne ne va l'écouter. Il va mourir. Si on déclare quelque chose, on va le... Dites-moi. On va lui donner une importance. Nous, on travaille notre travail. Des fois, c'est la réaction nécessaire. Des fois, non. Il faut contester. Et Seyd al-Burujerdi, à l'époque, il a pris le conseil de Ayatollah Bahjat. Alors que tous les autres, ils avaient donné d'autres conseils. Je pense par rapport à ce point, il faut vraiment avoir la réflexion avant de réagir. La personne qui a brûlé le Coran, par exemple. C'est quoi notre réaction? Déjà, ce que j'aimerais bien dire, et je vais essayer de développer peut-être plus tard, notre Coran, nous, on l'aime. Il est toujours devant nous. Que ce soit sunnite ou chiite, nous avons le même Coran. Maintenant, la question de falsification, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? À la colonne, ce n'est pas notre discussion. Nous, on croit que c'est le Coran de Rasoulillah. C'est le Coran lu par Ahl al-Bayt, alayhi wassalam. Après, la question de Qira'at, etc., c'est dans les échanges professionnels, on parle. Qira'at 7, Qira'at 10, Qira'at 14, ça c'est une autre discussion. Mais ce Coran est le Coran de notre noble prophète. Et le Coran récité par les compagnons de notre noble prophète. Et le Coran qui existait à l'époque de Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam. C'est le Coran. Nous, on l'aime. La personne, il l'a brûlé. Notre première responsabilité, c'est de développer la beauté et montrer la beauté de ce Coran à notre époque, à tout le monde. Si j'ouvre le Coran là, comme ça, par hasard,
Par exemple ici, أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ. Quelle beauté magnifique. Juste regarde comment il est en train de parler de l'histoire, nous faire penser sur plusieurs peuples. C'est extrêmement riche. Je passe. Comme ça, c'est comme par hasard. أَمَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. C'est des rappels pour dire, tu crois que ça y est, c'est la sécurité, mais n'importe quel moment, le malheur, il peut tomber. Tu passes un autre verset. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Prends la nuit et le meilleur moment de ibadah. Ô Mohammed, il s'adresse à Rasulullah. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. C'est cette beauté magnifique, ce Coran que j'ouvre partout, chaque verset. C'est une porte vers le paradis. On a développé, même à notre communauté, nous n'avons même pas développé. Hada kitabullah, Amir Mounin le dit, istamtaqou. Donc notre réaction, il doit être réfléchi. Peut-être vous dites, mais nous sommes faibles, nous ne sommes pas aussi nombreux. Ce n'est pas grave, chacun fait à sa manière. Moi personnellement, je demande aux frères, je dis, enregistrez. Et je lance. Maintenant 100 personnes, 200 personnes, c'est mon devoir. Moi j'ai fait mon devoir, toi fais ton devoir, écris. Si tu sais parler, parle. Mashallah, vous êtes à la faculté, certains parmi vous, je connais. Si vous connaissez la méthode de transmettre oralement, faites-le. Écris. Article, livre, média. Faites quelque chose pour le programme. Les sœurs aussi, je ne m'adresse pas que aux frères. D'ailleurs, les sœurs, ils ont des fois des capacités vraiment particulières. Et des fois, ils ont la méthode de s'organiser pour avoir le temps libre. Beaucoup plus. Faites quelque chose pour le Coran. Mais lorsque vous travaillez sur le Coran, ne travaillez pas sur le Coran sans Ahlul Bayt. Parce que le Coran sans Ahlul Bayt ne nous amène pas vers le but final. قرب الله سبحانه وتعالى. La proximité divine, c'est إني تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت. ادفع بالتي هي أحسن. الإمام الحسين عليه السلام, parmi les réactions qu'il avait, qui étaient totalement bénéfiques, et là je vais commencer à parler de Majlis al-Aza, juste concentrez-vous sur ce point de l'histoire. Al-Hur, c'est l'ennemi de l'imam al-Hussein. Il s'est mis contre l'imam al-Hussein. Il est venu avec des centaines de soldats pour bloquer le chemin de l'imam al-Hussein. Mais ils avaient soif, ils n'avaient pas de l'eau. L'imam al-Hussein et ses compagnons, ils avaient beaucoup d'eau. Ils viennent, ils disent « Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash ». L'historien, il nous raconte, c'est les historiens sunnites surtout, parce que nous, on n'a pas eu l'occasion d'écrire l'histoire. Mais alhamdoulilah, il y a des historiens sunnites qui étaient à la hauteur. Au moins, ils ont écrit une partie de la vérité. Une partie de la vérité. Imam al-Hussein alayhi salam à Karbala, il n'est même pas arrivé à Karbala avec ses soldats, avec ses hommes, avec Banu Hashim. Ils ont de l'eau. Les ennemis de Dieu, ils demandent de l'eau. Il dit, donnez-leur de l'eau. Donnez de l'eau. Comme son père Ali ibn Abi Talib au Safin. Lorsqu'ils ont dominé sur l'eau, les compagnons de l'imam Ali, ils ont dit, on va couper l'eau sur Bani Umayya, sur les gens de Cham. Il a dit, non, vous prenez et vous laissez prendre de l'eau. Adawen. À notre époque, les gens qui prétendent l'éthique dans le monde entier, personne n'atteint l'éthique de Ahlul Bayt. Même Qatara min Bahri Ahlul Bayt. C'est son ennemi, il ne coupe pas l'eau. Il dit, non. L'eau s'est ouverte. Il prend. Les gens de Cham, ils prennent l'eau et ils rentrent chez eux. Ils se préparent pour te tuer, ya Ali, oui. Mais l'eau, on ne le coupe pas. Imam al-Hussein, il donne aux soldats de Hur. Et il donne même aux chevaux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça la beauté. Vous devrez être fiers de votre imam. La fierté de l'imam, d'être parmi les partisans de l'imam al-Hussein, ce n'est pas une petite chose. Oui, Djiboul est le tariq de l'imam al-Hussein, alayhi salam.
amenez-moi. Et ça, c'est les ennemis qui notent l'histoire, qui écrit l'histoire. Ils disent, c'est vrai, Hussein, il a fait ça, salam alayhi. Il a donné l'eau pour tous les soldats et les ennemis et même aux animaux. Assalamu alaykum ya gharib, ya Aba Abdullah. En échange, le jour de Ashura, l'imam Hussein, il demande de l'eau pour son enfant. Il n'a pas demandé de l'eau pour lui-même. « In kana dhambul lil-kibhar, fama dhambu al-sari. » Si vous considérez que je suis responsable et donc vous êtes mes ennemis, quel est le péché de cet enfant? Chacun de vous, mashallah, certains de vous, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Imaginez un enfant qui a soif et qui pleure de soif. Et tu demandes de l'eau pour cet enfant. Et les ennemis disent non. La tortille, ne donne pas de l'eau. Assalamu alayka ya مظلوم يا حسين اذهب بقلبك الى كربلاء va avec ton cœur maintenant à Karbala. Essaye de voir comment s'est passé les choses. Imam al-Hussein vient avec Abdullah al-Radi'a devant les ennemis, demande de l'eau. إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الصغير. C'est quoi le péché qui a été commis par cet enfant? Ils disent, certains parmi les ennemis, ils disent, on donne de l'eau aux enfants parce qu'ils ne sont pas responsables. D'autres parties, qu'ils étaient malheureusement majoritaires, ils disent, on ne donne pas de l'eau ni aux enfants ni aux grands. Et en ce moment-là, un des ennemis de Dieu s'adresse à Harmala. Oh Harmala, termine l'histoire. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu vois pas le cou de cet enfant, comment il brille dans les bras de son père. Tu vois pas le cou d'Abdullah, l'ennemi de Dieu, Harmala, lance la flèche dans le cou d'Abdullah. Après l'histoire de Karbala, Al-Mukhtar demande au Harmala, il dit au Harmala, tu as tué beaucoup de monde à Karbala. Est-ce qu'à un moment tu as eu mal au cœur? Il dit oui, il y a un moment que j'ai eu mal au cœur. Lorsque j'ai lancé la flèche sur le cou d'Abdullah, il a sorti ses mains de son qimat, il a pris son père dans ses bras. Assalamu ala al-gharib, assalamu ala al-shahid. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عجل لوليك الفرج اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه اشف كل مريض رد كل غريب فك كل أسير أصلح كل فاسد من أمور المسلمين إلهنا أنت دمون بحق محمد وآل محمد دون بخوتجي دون زل ولي دون توت سقطة بيشي نو إنو زنفون يا الله إلهنا أنت دمون بحق محمد وآل محمد دون زل ولي دون أمور دون سبامون كار Tous les problèmes et misères, c'est à cause de l'amour de ce bâmont. Et là, on a l'assalam qu'à Muhammad et l'Oual et Muhammad, en t'aj'al a'waqib a'mourina khayra, la mouatina mouatil hadarim al-mouassissin de hada l'amal, al-fatiha ma'a s-salamat. Bismillahirrahmanirrahim.